Attention! Me voici! Moi, le diable! Du moins, une de mes nombreuses incarnations, la plus connue. N'est-ce pas, mesdames? Je suis venu pour me défendre, moi, pauvre diable, qu'on charge de tous les péchés du monde. Mais le diable n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Les hommes aussi sont responsables. Ils n'ont pas besoin du diable pour succomber à la tentation quotidienne. On vous a dit, par exemple, de ne point voler. Si on tire le diable par la queue, que faire d'autre? D'honorer son père et sa mère. Bon. Mais quel père, quelle mère, quel fils? Oh, diable, ça me rappelle quelque chose. Et comment ne pas avoir de désir impur? Quand on a la beauté du diable, mais c'est pour s'en servir, ou être servi, ne pas mentir. Que diable, les hommes mentent tous les jours à tous, et souvent pour la bonne cause. Ne pas blasphémer. Oh, celui-ci, si vous l'entendiez. Ne pas désirer le bien d'autrui. Mais quel bien désirer, si ce n'est celui d'autrui? Pas besoin pour cela d'avoir vendu son âme au diable. Et n'honorer qu'un seul dieu. Lequel? Lui? Il a plutôt l'air d'un bon diable. Ne pas tuer. Oui, ça, évidemment. Pour tuer, il ne faut craindre ni dieu ni diable. Et si c'est justifié? Car cela peut le devenir. Alors est-ce entièrement ma faute? Personne, non, personne pour me défendre. Je suis si écœuré que je m'en vais. Non, c'est une blague. Je reviendrai bientôt. Oui, très bientôt. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Diaboliquement habile, celui-là. Par ordre alphabétique. Beaucoup d'autres. C'est bien la première fois que je produis un bon film. J'en reviendrai, j'en reviendrai, j'en reviendrai.